Comment réinitialiser et déverrouiller le Samsung Galaxy S23 Ultra Bonjour mes chers amis, comment allez-vous J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les meilleures conditions aujourd'hui. J'ai une vidéo importante avec vous, et j'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne afin de vous présenter avec tout ce qui est nouveau. Maintenant, suivons la vidéo. Pourquoi voulez-vous réinitialiser votre appareil la raison la plus courante est que vous souhaitez donner ou vendre votre appareil à quelqu'un d'autre. Parce que vous ne voulez jamais qu'aucune de vos informations personnelles ne reste sur l'appareil. Les autres causes comprennent. Pour vider l'espace mémoire de votre téléphone. Réparer un appareil qui ralentit ou se bloque. Pour résoudre le problème du gel constant du téléphone. Accélérer les performances de votre téléphone. Avantage de la réinitialisation du Samsung Galaxy S23 Ultra. En réinitialisant le Samsung Galaxy S23 Ultra, tous les fichiers indésirables sont supprimés de votre téléphone et votre Galaxy S23 Ultra est complètement nettoyé, il ne plante donc pas et fonctionne correctement. De plus, de nos jours, de nombreuses publicités contextuelles sur le téléphone arrivent à cause d'un virus. Si vous réinitialisez votre téléphone, vous pouvez vous débarrasser des publicités contextuelles inutiles. Avec cette méthode, votre Galaxy S23 Ultra sera complètement propre et comme neuf, et tous vos paramètres seront de retour par défaut. Inconvénient de la réinitialisation du Samsung Galaxy S23 Ultra. Si vous réinitialisez votre Galaxy S23 Ultra, vous perdrez toutes vos données, contacts, photos, vidéos et applications installées. Donc, avant de réinitialiser votre téléphone. Vous devez sauvegarder votre téléphone afin de pouvoir restaurer toutes vos données ultérieurement. Avant de réinitialiser votre téléphone. La réinitialisation nécessite au moins 50% de la batterie, donc chargez complètement votre Samsung S23 Ultra. Si votre téléphone est faible en batterie et va faire la réinitialisation, vous risquez de rester bloqué au milieu de cette réinitialisation. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre téléphone Android. 3 façons simples de réinitialiser, Factory Reset, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Vous disposez de 3 méthodes simples pour réinitialiser le Samsung Galaxy S23 Ultra. La raison pour laquelle je partage les 3 méthodes est que si une méthode échoue, vous aurez deux autres options à essayer. Réinitialisation matérielle pour Samsung Galaxy S23 Ultra. Méthode 1 réinitialisation d'usine du Samsung Galaxy S23 Ultra à l'aide du menu paramètres. Le moyen le plus simple de réinitialiser le Samsung Galaxy S23 Ultra consiste à passer par le menu paramètres. Si vous pouvez accéder au contenu du téléphone, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine à l'aide du menu de réinitialisation des données d'usine de votre appareil. Pour effectuer ce processus, vous devrez suivre toutes les étapes ci-dessous afin de pouvoir facilement réinitialiser votre téléphone via le menu des paramètres. Paramètres de réinitialisation matérielle de Samsung. Tout d'abord, ouvrez le menu paramètres. Appuyez ensuite sur le menu gestion générale. Après avoir sélectionné les options appropriées dans la liste, appuyez sur réinitialiser. Appuyez maintenant sur réinitialisation des données d'usine. Vous aurez la possibilité de réinitialiser à nouveau. Vous devez cliquer dessus, après cela, vous devriez vérifier le verrouillage de l'écran. Samsung réinitialiser, supprimer tout. Cliquez ensuite sur supprimer tout. Le Galaxy S23 Ultra a été réinitialisé avec succès. Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, votre Galaxy S23 Ultra redémarrera automatiquement et le premier remplacement peut être légèrement plus long que la normale. Lorsque vous arrivez à l'écran de configuration, vous pouvez vous connecter à votre compte Google et ignorer le processus de configuration. La deuxième façon de réinitialiser le Samsung Galaxy S23 Ultra consiste à passer par le mode de récupération. Si vous ne parvenez pas à accéder au contenu de votre téléphone et si vous avez oublié le schéma ou le verrouillage de l'écran, vous pouvez réinitialiser le Galaxy S23 Ultra à partir du bouton physique et déverrouiller votre téléphone via le mode de récupération. Pour ce faire, vous devez suivre toutes les étapes ci-dessous afin de pouvoir facilement réinitialiser votre Samsung S23 Ultra via le mode de récupération. Tout d'abord, éteignez le téléphone. Pour le faire sur votre Galaxy S23 Ultra, appuyez longuement sur le bouton Power. Combinaison de boutons de réinitialisation Samsung. Ensuite, lorsque le téléphone est complètement éteint. Appuyez simultanément sur les boutons volume plus alimentation pendant quelques instants et maintenez les enfoncés jusqu'à ce que vous voyez le logo Samsung. Une fois en mode de récupération, suivez ces étapes. Réinitialisation matériel Samsung M30S. Accédez à l'option Wipe Data Factory Reset via le bouton de réduction du volume et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le confirmer. Choisissez maintenant l'option de réinitialisation des données d'usine dans le menu et cliquez sur le bouton d'alimentation. Une fois le processus terminé, accédez à redémarrer le système maintenant et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Troisième méthode réinitialiser le Samsung Galaxy S23 Ultra à l'aide de Google Find My Device. Tout d'abord, visitez le site web officiel de Google Find My Device. Connectez-vous ensuite avec votre compte Google. Vous obtiendrez maintenant des options telles que Play Sound, Secure Device et Erase Device. Vous devez cliquer sur effacer l'appareil à partir de ces options. Enfin, appuyez sur l'option effacer l'appareil. Si vous cherchez un guide sur la façon de réinitialiser le Samsung Galaxy Note M01 Core, n'oubliez pas de consulter également cet article. Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, votre Samsung Galaxy S23 Ultra redémarrera automatiquement et le premier remplacement peut être légèrement plus long que la normale. Lorsque vous arrivez à l'écran de configuration, vous pouvez vous connecter à votre compte Google et ignorer le processus de configuration. Deux façons simples de déverrouiller le Samsung Galaxy S23 Ultra. Au cas où vous auriez oublié le mot de passe ou le schéma de verrouillage de votre Samsung Galaxy S23 Ultra Ultra. Ainsi, vous pouvez suivre certaines des méthodes mentionnées. J'ai donné deux façons de déverrouiller le Samsung Galaxy S23 Ultra. Cela dépend de vous quelle méthode choisir. Méthode 1. Déverrouillez le Samsung Galaxy S23 Ultra en répondant aux questions de sécurité. Cette méthode peut vous aider si vous souhaitez réinitialiser vos mots de passe sans perdre vos données, et cela sera possible si vous configurez une question de sécurité sous Google Account Security. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous obtiendrez l'option Modèle oublié et NIP mot de passe oublié sur votre téléphone. Appuyez dessus. Cliquez ensuite sur l'option Répondre aux questions. Maintenant, entrez les réponses aux questions de sécurité selon vous. Si la réponse que vous avez saisie est correcte, votre Samsung Galaxy S23 Ultra Ultra sera déverrouillé. Ensuite, oui ou non, il vous sera demandé si vous souhaitez créer un nouveau code PIN, mot de passe ou pattern lock password pour votre Samsung Galaxy S23 Ultra. Sélectionnez l'option Oui pour créer un nouveau mot de passe ou un nouveau schéma de verrouillage pour votre appareil. Deuxième méthode déverrouillez le Samsung Galaxy S23 Ultra en utilisant votre compte Google. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous obtiendrez l'option Forgot Pattern and Forgot Pin Password sur votre Galaxy S23 Ultra. Maintenant, connectez-vous à votre compte Google en saisissant des informations telles que votre nom d'utilisateur, mot de passe. Après cela, cliquez sur le bouton de connexion. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que vous avez résolu les problèmes et à bientôt dans une nouvelle vidéo.